ta meilleure idée. Ma petite fesse de paix. Ma petite fesse de paix. Ma petite fesse de paix. Didro. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Ici, ça va bien, mais je dois avouer que la journée est pas mal avancée. Il est rendu 4h30, puis j'ai comme pas officiellement vlogué aujourd'hui. J'ai comme filmé des clips que vous avez déjà vus, mais j'ai pas parlé encore à la caméra. Ça a été une journée, une avant-midi difficile avec mon coco, ici présent, qui babounait vraiment beaucoup. Genre, il était pas de bonne humeur. C'était quasiment ridicule à quel point il pleurait. Il voulait seulement que je sois dans la position debout, en le secouant comme ça. Si j'arrêtais de le secouer, il pleurait. Si je m'assisais, il pleurait. Donc, bref, à la fin, j'étais complètement morte. Mais il a fini par être capable de s'endormir un petit peu, puis je l'ai passé à papa, puis parce que tu sais, mon chum, il a fallu qu'il dorme un petit peu, je veux pas, il a travaillé une nuit, puis après ça, ça l'a bien été. Puis comme vous avez pu voir tantôt, je suis vraiment hilarante. J'ai un coucou qui nous a fait ses deuxième, troisième et je sais pas combien éclats de rire. Il rit pas souvent, mais ça commence, là. Ça commence. Je le trouve tellement cute. T'es cute! T'es beau comme un cat, tu ris. Mais tu sais, c'est normal parce que je suis quand même très drôle. Je suis très drôle, moi, dans la vie. Fait que c'est ça. À part m'occuper de mon bébé bougon, j'ai fait du lavage. J'ai continué de ramasser un petit peu. J'ai découpé des feuillets. Je pense que ça, je vais les montrer un petit peu. Des feuillets pour mes couches. Mon chum m'a aidé à monter des couches. Vraiment, il était vraiment bon. J'ai montré comment ça marchait, puis il s'est lancé là-dedans. Fait que j'étais très reconnaissante. Après ça, j'ai monté mon vlog. Puis là, je vais m'apprêter à l'exporter. Je suis en train de faire un rendu. Puis après ça, je vais l'exporter pour préparer la mise en ligne. Puis ça ressemble pas mal à ça. Là, mon copain, il est parti faire des petites commissions à la pharmacie. Puis il nous cherchait quelque chose à souper. Mais je sais pas encore qu'est-ce qu'il va nous choisir. Je sais pas s'il va aller à l'épicerie ou s'il va aller dans un resto. J'ai aucune idée, mais les deux, on avait vraiment faim. Fait qu'il est parti à la recherche de nourriture. Ouais. C'est ça.
Puis là, j'étais à la recherche de séries télé. Oh, mon rendu est terminé. Un petit instant. Ouais, j'étais... Parce qu'on écoute quelques séries, mon chum pis moi. On dirait que ce matin, j'avais le goût d'écouter une bonne série. Puis tu sais, genre une vieille série. J'avais comme un rush d'avoir envie d'écouter Buffy contre les vampires. Parce que la dernière fois que je l'ai écouté, toutes les saisons complètes, je pense que c'était quand j'étais au cégep. Mais mon chum, il a des fois de la misère avec l'anglais. Puis sur Netflix, il l'a seulement en anglais. Fait que, ouais. Mais ouais, j'étais vraiment à la recherche d'une vieille série. Tu sais, vous voyez le genre, là. Tu sais, pas vieux dans le sens des années 80, là, mais... Tu sais, mettons des séries... Soit des séries que je connais pas, ou genre une bonne vieille série de quand j'étais ado, là. On dirait que je file pour ça. Ça doit être l'âge qui fait ça. Je me sens nostalgique, je sais pas. Si jamais vous avez des recommandations, vous pouvez me les laisser en commentaire. Soit des séries que vous avez écoutées récemment que vous trouvez bonnes. J'ai accès à tout.tv, puis j'ai accès à Netflix. J'ai pas Vidéotron, par exemple, fait que j'ai pas le Club Illico. Mais ouais, si jamais vous avez des idées, là, vous pouvez me les laisser en commentaire. Puis si jamais je les ai déjà écoutées, ben... Au moins, je saurais que je suis pas la seule à les avoir aimées. Mais c'est ça, peut-être que vous allez m'en proposer que j'ai jamais pensé d'écouter. Fait que... Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. On aime ça, écouter des séries. Ouais, puis parce que la dernière série qu'on a commencé récemment, on l'a terminée. C'était la fin du putain de monde. Je me souviens pas si j'ai parlé du fait qu'on l'avait terminé. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne série. J'ai pas aimé la fin, par exemple. J'étais comme un peu sous choc. Ouais, fait que c'est ça. C'était vraiment une très bonne série sur Netflix, mais là, on l'a fini parce qu'elle est très courte. Puis je suis à la recherche d'une autre série, on dirait. C'est pourtant, on en a commencé plusieurs qu'on n'a toujours pas terminé. T'sais, on a How to Get Away with Murder, les Outlander, on les a pas finis. On en a-tu d'autres? Je sais pas. Mais ouais, on dirait que je suis à la recherche de nouvelles sensations. Qu'est-ce que t'en passe, toi? Toi aussi, hein, mon amour? On dit pardon! De pète. Fait que ouais, je vais vous laisser pour l'instant. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va manger. Mais je vais sûrement vous le montrer tantôt. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de terminer mon vlog hier, fait que je vais vous conclure ça ici. On est dimanche matin, puis il est genre 6h le matin, mais c'est ça. Je vais vous dire un gros gros merci de m'avoir écouté. J'espère que vous allez passer une belle journée ou une belle nuit, puis on va se revoir bientôt. En fait, on va se revoir tantôt. Ben, tantôt pour moi, mais genre demain pour vous. C'est ça. Goodbye.